Bon bah après un épisode dans le désert, qui était plutôt remuant quand même, voilà. Et maintenant on va aller s'attaquer un petit peu plus au cartel, si je ne me trompe pas. Et on va aller voir si on peut trouver le fameux El Sin Nombre. Je sens que ça va pas être de tout repos, enfin j'espère. Allez, c'est parti. Shadow en vol stationnaire. Bien reçu. Je suis en place. J'ai de la place pour me poser sur le toit. Ok. Je vois deux gardes armés devant la porte. Alejandro, comment ça se présente? Mon baquet à l'intérieur. Putain, comment vous avez fait ça? Avec violence. J'ai saut en visuel. C'est l'heure de vérité. Est-ce qu'il le voit? Maintenant, oui. Il l'amène dedans. Il a du courage, ceci. J'espère que ça ira. Hermano. Alejandro? Alejandro, c'est une chanson. Écoute-moi attentivement. Dis la vérité. Oula. Donne-leur tout ce qu'ils veulent savoir, sinon ils te tueront. Tu veux que je leur dise tout? Oui, tout. C'est Hitman. Les soldats SMP américains, la Shadow Company, Philip Graves. Toute la vérité. Même ton nom? C'est bien lui? Et rien oui, que la vérité. Il a un nom, le Mohawk? On m'appelle Soap. Soap, c'est quoi ce nom à la con? Suis-moi. Je veux voir El Sin Nombre. Oh, il veut voir le boss. Si t'es en vie, c'est parce que tu détiens peut-être une bonne voix de méchant, lui. Et elles ont intérêt à être bonnes, gringo. Ou sinon, je te ferai bouffer ta putain de crête, ok? Dégage de mon ascenseur, bordel. Ici, c'est chez moi. Avance. Oh, tu ne parles que lorsqu'on t'interroge. Ouais, bah arrête de parler déjà. Plus important encore, tu dis la putain de vérité. Parce que comment si tu peux savoir? Je te donnerai à bouffer au chien. Et comment tu peux savoir si c'est la vérité ou si je mens? Hein? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, putain? Si tu le sais, c'est que tu sais déjà. Le boss a dit aïe. Pas de drogue. Diego, j'essaie juste de maintenir éveillé, c'est tout. Tiens, t'auras du boudin. Respecte les putains d'ordre. Ah, il s'est drogué, laisse le peinard. Allez, remets-toi au boulot. La Salma, c'est en guerre. Tu veux gagner? Alors obéis. Oui, donc je disais, comment tu... Oh, arrête de parler. Comment tu peux savoir si je vais dire la vérité? El Sin Nombre est ici? Non. Mais la sicaria personnelle du Sin Nombre, oui. Valérie, parce que si tu sais que... Ah, oh, si tu sais que je mens, c'est que tu sais la vérité, déjà. Et si c'est... Ah, ils se font des réunions? C'est une réunion des alcooliques anonymes? Oh, bonjour, Valéria. C'est ma place? Ah, allez, je m'assois, hein. Ah, on est bien. Oh, c'est un peu dégueulasse par terre. Hein. Son nom est Jabón. Il nous buscó. Jabón? No mames. Il le trajiste pas acá? Así nomás. Dice que tiene información. Ah. Pendejo de mierda! No tenemos ni puta idea de quién es este güey. Ya nos vio la cara. Valeria, necesitamos servicios de inteligencia. Él puede ayudarnos. Más te vale que nos dé algo, porque si no, luego de que mate a este vato, el que va a esa silla eres tú.
Elle est pas gentille, la dame. C'est elle, la boss. C'est pas lui. Toi, t'es qu'un larbin. Eh, hey, va-t'en, larbin. Niños. C'est très simple. Je pose des questions, vous répondez honnêtement. Ne vous avisez pas de me mentir. Comment tu peux le savoir? Jusqu'à présent, on protégeait un ami dans les montagnes. Mais quelqu'un nous a attaqués. Qui? Moi. Todo un caos, Répète pour que le blanc comprenne. Je crois que c'était le cartel rival. À ton tour, Blanquito. Qui nous a attaqués? Bah, c'est moi. C'était l'armée mexicaine. Il ment. Mes troupes combattaient les agresseurs. Bah, ils nous ont attaqués aussi, hein. Bah oui, j'y étais. Ouais, c'était l'armée mexicaine. Vous nous avez attaqués? Bien sûr que non! Je crois le caporal. Ah! Il nous a dit de dire la vérité, mais on a été attaqué par le... Mais en Jusqu'à fait, c'est présent, vrai, on l'a attaqué. J'ai un ami dans les montagnes, mais quelqu'un nous a attaqué. Qui? Todo un caos, Répète pour que le blanc comprenne. Il a rien vu? Je crois que c'était le cartel rival. Non, c'était nous. Bon, ouais, je vais dire que c'est nous, hein. Bon, Blanquito? Blanquito de Vaux? Merde. C'était pas le cartel. C'était les forces spéciales mexicaines. On a retrouvé les corps. Fuerzas especiales. Ah! Mais comment un étranger peut savoir que c'était les forces spéciales mexicaines et pas toi? Peut-être qu'il y était. Tu y étais, connard. Hein? Peut-être qu'il y était aussi. Des étrangers ont collaboré avec les forces spéciales mexicaines. C'était qui? On les a entendus crier, parfois en anglais. Ils étaient avec les gringos comme lui. Les gringos? Une SMP américaine. Un groupe baptisé la Shadow Company. Ah! Quand c'est marqué. Oh la vache. Los Vaqueros. Vous voyez, j'avais raison. C'était les Gringos. Mais ils font du café, les Gringos. Preuve de l'existence de cette Shadow Company? Non. Comment je peux le prouver? Et toi alors? Oui, j'ai un badge. Oui, j'ai un badge. Dans ma poche. Oh! Choisis bien la poche, hein. Non, l'autre. Ah bah, elle a trouvé tout de suite. C'est quoi ça? L'insigne de la Shadow Company. La preuve. Tu parles? Qui dirige la Shadow Company? Je veux un nom. Philip Graves. Philip quoi? Ah, Graves. Ça me plaît. Ce type, Graves, qu'est-ce qu'il oui. veut? Des bonbons! Il veut votre boss. Elle s'est nombrée. No puedes confiar en elle. No puedes. Te lo digo. Tú no nos has dicho ni verga, idiota. Hola. Pagamos muy bien y este extranjero sabe más que tú. Hora de matar a este culero inútil. Con placer, Valeria. Je vous en prie, je veux pas mourir. C'est rapide chez eux. Qué bonito. Te vi bien ahí. Mettons-nous au boulot. Allez, on va là-haut. Et mes pieds? Allez, güero. Bonjour, monsieur. Vous êtes un peu flou. Hein, quoi? Oui, bah, j'arrive, 5 minutes. Hein, Je viens d'être torturé. Je t'enferme ici ou tu préfères
Bon, que les choses soient claires, on n'a pas fini avec toi. El Sinombre décidera de ton sort. Vuelta a trabajar, pinches cabrones. Salut les gars, on fait quoi? Un 421? Ouais, attends-moi toi. Ouh, il y a un ascenseur ici. Ouh, je vais être tout seul avec elle dans l'ascenseur. Ah non, toi tu viens pas toi. Los vaqueros están moviendo bien rápido. Yo voy a estar en el penthouse con el sin nombre. Quand est-ce que je verrai el sin nombre? Valeria doit aller parler avec le boss là. Tu attendras avec les autres. J'ai comme l'impression qu'El Sin Nombre aura très envie de te parler. Moi j'aurais... Bah, t'as pas l'air gentil, toi. Tu vas devoir attendre ici, Soap. Tu vas être en l'ofrenda. Que no me interrumpan. Oui, chef. C'est normal qu'il ait une cagoule et que les autres... Ok, il faut lui donner un masque et le surveiller. Tu es vivant? Alejandro. Bah oui. Je vois que toi aussi. Arrête de me tripoter! El Sin Nombre est dans la suite. Au dernier étage. Il faut une carte d'accès. Diego en a une. Ah, Diego! Sympa. Un cure-dent! Tiens. Pourquoi un masque? Des gens peuvent pas être vus avec le cartel. Radio en marche. Tu me reçois? Ok. T'es prêt? Sortons. Ghost, on y est. Qu'est-ce qu'on a? El Sin Nombre est dans le penthouse, au deuxième étage. L'ascenseur nous y mènera. On a juste besoin de la carte de Diego. Où est Diego? La salle des offrandes, premier étage. Tu vois quelque chose, lieutenant? Si tu trouves ça fait peur. Ils ont tous des masques. Dans tous les cas. Ouais, t'avances. Attention, hermano. Si les gardes te trouvent là-haut ou dans le garage, ils n'hésiteront pas à t'abattre. Qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Aucune idée, mais c'est important pour Diego. Trouvez le signe nombré et finissons. Bon, dépêchez-vous, les gars, arrêtez de causer, ça me saoule. Oh là 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 là! Mais allez, avance toi! Mais qu'est-ce qu'il a? T'es mort ou quoi là? Non mais c'est lent! Puedo ayudarte? Hein? Il l'a traversé! Mais c'est horrible! Et il est où Diego? Ah, c'est lui Diego? C'est quoi ça? Pour ouvrir? Pas grand chose, hein. On peut prendre une douche? Non. On peut faire popo? C'est là pour faire pipi? Et pourquoi lui il est handicapé? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toi Diego? Eh, hey, Diego de la Vega! Nadie tiene permitido pasar la caga. Merde, va pour la manière forte alors. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Et on dirait un épisode foireux de... Assure-toi d'être dans une zone reculée. C'est Hitman, mais en moins bien. Déjà que j'aime pas Hitman. Alors imaginez... Et ils ont combien de toilettes là-dedans? Je prends une bouteille. Pratique pour faire diversion. Ouais. Pour boire un coup surtout. Et qu'est-ce qu'elle fait la bouteille dans les cabinets là? Quoi ça? J'ai trouvé un couteau. Bien, ça pourrait t'aider à rester discret. Et... Ah, t'es encore là toi, tu me suis? Si, es en serio. Numéro de cuenta 0919014. Esta noche. Con imposible. Te pagamos para que hagas este tipo de servicios. Central, C1. Voy hacia la armería. Dos minutos. T'es dans une zone défendue. Les gardes ont ordre de tirer à vue. Sérieusement,
Voilà. Je suis au premier étage. C'est cool. Bravo. Il y a un beau tigre, hein. El Tigro. Oups. Bon. Faut pas que je me fasse repérer. J'étais en visuel, Johnny. Il y a un trader qui monte jusqu'au toit. Qu'est-ce qu'on fait de la carte de Tigro? Y'a quoi? C'est toi qui vois. C'est ça? Je grimpe sur le toit. Bien sûr. Oh là là! Je vois plusieurs cibles là-haut. Va falloir s'en occuper. Elle grimpiote. Wow! Il va où? Le penthouse est dans le coin nord. Quelqu'un regarde dans la direction, le feu les a alertés. Bah, c'est nul! Mais c'est quoi? Casser des bouteilles pour dire. Mais c'est nul! Ah, je déteste ça, moi, Call of Duty, c'est. Je tire et puis pan. Mais je fais pas ça. Je ne fais pas ça. Pour moi, c'est pas bien. Le penthouse est dans le coin nord. Doucement, hermano. Quelqu'un regarde dans sa direction. Deux cibles. T'en prends une. Je m'occupe de l'autre. Allez, Rambo. Ah, c'est fait. J'ai trouvé Diego. Bien sûr. Entre dans Allez, Rambo. Je te couvre. C'est verrouillé. Prends l'échelle. Vois si tu peux accéder à l'ascenseur. Ils sont en état d'alerte, mais ont décidé de pas faire de vagues. Je te conseille d'en faire autant. Ouais, ouais, t'inquiète pas, des vagues. Ah, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? On va vite. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, là? Mais c'est quoi ce jeu? Et ils apparaissent comme ça, comme. Utilise l'échelle pour essayer d'accéder à l'ascenseur. Il faut monter ou descendre? À mon avis, c'est descendre. On descend. Fais-nous descendre. Faut qu'on atteigne le deuxième étage. Bouge plus. Stop, dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu fais au sous-sol? Remonte. Bah, deuxième étage. On monte. Premier étage, tiens-toi prêt. Bouge plus. Appuie sur le déverrouillage d'urgence. La porte est ouverte. À toutes les équipes. Je croyais que c'était le deuxième étage, moi. On a une belle vue d'ici? Bof. C'est quoi ça? J'ai trouvé une arme. Non, oh, bah dis donc! Les armes ne peuvent pas être cachées. Ah. Ah. Voilà, moi c'est ça. Contrôle c'est du pampan. Devant. Comment on traverse? Fais-moi confiance. Bah, tu viens d'où toi? Identification. C4, j'ai un nouvel invité pour le boss. C4. Le boss. Voilà. El Poños. C'est El Poños qui lui a donné un petit coucou. C'est pas vrai? Qu'est-ce que tu fais? Caméra endoscopique en place. Procède à l'identification del Sin Nombre. D'accord. Mettons enfin un visage sur celui qui n'a pas de nom. La garnison d'Espagne est arrivée comme prévu. Je peux vous garantir que mes hommes respecteront cet arrangement et que les paquets seront en place. Sin Nombre, vous avez envie de recevoir un nouvel invité? Bon voyage. Muy bien, on peut commencer. Hein? C'est elle, Sin Nombre, tu vas voir. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? La sicaria que j'ai rencontrée au sous-sol, Valeria. C'est elle, El Sin Nombre. Oh là Valeria. Là, mon Dieu, mais quelle histoire! T'es sûr, hermano? Oui. Hermano? Il faut qu'on bouge. Graves, Sin Nombre se fait passer pour une sicaria. On entre. Vous êtes prêts? Ok. Ghost? Ouais. Il nous la faut vivante. Bah, je l'ai pas tué!
Il nous l'a fait. Bah, qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai tiré sur l'autre là. Bah. Il y a comme un bug. Hop, Diego. Mon nom est Valeria. Cachée à la vue de tous. Cachée? Je suis partout, soldat. Bien. Nous aussi. On y va. Mon pote, tout va bien? Il la connaît? Valeria! Je la connais! Ah bah voilà! Le scénario est tellement peu prévisible. Asseyez-vous. Dites-moi, comment vous vous connaissez tous les deux? Se connaître, c'est un grand mot. Les paroles fortes sont importantes. Notre parole est notre valeur, non? Mettez la verga et la puta que te voy a matar! Oh, 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 du calme, commandant! Ouais! Ouais! Ramos, dis-leur. Personne ne me donne d'ordre. Même les klebs de Las Almas n'osent plus m'abouiller. Sans blague. Non, c'est une ancienne militaire. On a servi ensemble. Différentes escouades. Même unité. D'un côté, vous, les sauvages. Les vaqueros. De l'autre, mon équipe, irréprochable. Jusqu'au raid contre le fils de la Araña, tu te souviens? Comme si c'était hier. Son équipe était censée boucler la ville pour empêcher les mercenaires de la Araña d'entrer et éviter le bain de sang. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais, personne n'est entré parce que c'était vous les mercenaires, pas vrai? Il a été escorté dans les montagnes sans incident. Et on a évité le bain de sang. Il devait finir derrière les barreaux. Donc vous l'avez tué. Et pris sa place. J'avais laissé une place vacante. Et je l'ai comblée. Las Almas a besoin de moi. Las Almas a besoin de soldats, pas de sicarios. Et toi? Toi, t'as déshonoré l'armée. Et tes frères aussi. Pourquoi vous faites ça? À vous de me le dire. C'est pas vous, les mercenaires? La concurrence profite de votre inaction. T'es une narco qui protège un terroriste. Le terrorisme, c'est bon pour les affaires. Une forme d'assurance. Ça veut dire quoi, ça, putain? Puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo! Puta madre, Alejandro! Tant qu'il y a une guerre contre le terrorisme, ça laisse le champ libre au trafic de drogue. Pour trouver votre soi-disant terroriste et vos missiles, vous avez besoin de moi. Pour éviter un bain de sang. Non, ça sera sans moi. Ça change rien. Au contraire, ça change tout! Putain! Ne faites pas de marché avec elle. Ça va mal se finir. Wow. Maintenant, c'est à ton tour de dire la vérité. Je veux les missiles, je veux la cible, et je veux Hassan. Vous avez 10 secondes pour tout me dire, avant que je vous montre la différence entre l'armée et moi. Je connais pas les cibles. Je suis qu'un messager, un simple pion. Mais je sais où sont les missiles. Et à votre retour, je vous dirai où se trouve Hassan. En échange, vous me laissez partir et vous foutez le camp de Las Almas. Je veux plus vous voir. Ok. En attendant... vous resterez ici. Les coordonnées obtenues lors de l'interrogatoire pointent vers une plateforme pétrolière à 400 000 nautiques au large du golfe du Mexique. La plateforme n'est plus en activité et sert actuellement de lieu de stockage pour la contrebande du cartel.
Un cargo a jeté l'ancre à 500 mètres au nord-ouest. L'équipe de surveillance a repéré du personnel en train de décharger un vaste conteneur. Ce conteneur se trouve désormais en haut de la plateforme. Nous pensons qu'il renferme le missile. La Task Force 141, le colonel Vargas et la Shadow Company monteront à bord de 3 bateaux pour une élimination simultanée des 2 cibles. Ghost dirigera l'équipe d'assaut en charge du cargo. Graves, Soap et Alejandro attaqueront la plateforme et désarmeront le missile. L'ennemi ne vous fera aucun cadeau. Vous avez ordre d'éliminer toutes les menaces. Hop là, et j'ai appuyé sur le bouton. Eh non, mais on va pas foncer trop vite là. Ça, c'est un autre épisode là qui commence. Allez, moi je m'arrête là. Bon, après Hitman Leader Price, Hitman ouais. Voilà. Hein. Discount, on va dire, Hitman Discount. C'était bien, mais sans plus. Bon, j'espère que le prochain épisode sera bien mieux. J'ai l'impression qu'il va y avoir de l'action. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Il y a le pouce bleu. Et puis, vous pouvez laisser un message en commentaire. Je vous répondrai. Vous avez découvert ma chaîne et vous voulez voir la suite ou voir déjà ce qui a été fait. Eh bien, c'est tout simple. Abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche de notification pour être sûr de ne rien louper. Allez, moi je vous dis à très vite, à bientôt pour la suite de mes aventures sur Call of Duty Modern Warfare 2. Salut, salut tout le monde et encore merci d'être venu. Salut! Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y! N'aie pas peur, clique.